Quelques jours après la mort de Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matthew LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow et David Schwimmer, ses cinq amis du casting de Friends, lui ont rendu hommage dans un communiqué rédigé en commun. La nouvelle est si tragique que certains ont encore du mal à y croire. Le 28 octobre dernier, CST avec une peine immense que le monde entier a appris la disparition de Matthew Perry, l'irremplaçable Chandler Bing dans la série Friends. Selon NBC News, le comédien aurait été retrouvé inanimé dans son jacuzzi. Les premiers éléments de l'enquête écartent la piste criminelle et aucune drogue n'a été retrouvée à proximité de l'acteur. Ce dernier, âgé de 54 ans, avait en effet longtemps lutté contre ses addictions à l'alcool et à la drogue. En 2016, il avait même déclaré n'avoir gardé aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant au moins 3 ans de tournage en raison de sa dépendance, entre les saisons 3 et 6. Alors que les hommages des fans ne cessent de fleurir sur les réseaux sociaux, tout le monde a les yeux rivés sur ses amis du casting de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Après plusieurs jours de silence, ces derniers se sont exprimés dans un communiqué commun, publié par le magazine People dans la soirée de ce lundi 30 octobre. Le casting de Friends est dévasté par la mort de Matthew Perry. Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable, y déclarent les cinq amis, qu'il avait retrouvé dans les studios de Friends à l'occasion d'un épisode retrouvailles tourné en mai 2021. Au fil du temps, nous en dirons plus, dans la mesure où nous le pourrons. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'ont aimé dans le monde, poursuit le communiqué, signé du nom des cinq acteurs. Les co-créateurs de la série, Martha Kaufman et David Crane, ont quant à eux rédigé un communiqué commun avec le producteur exécutif Kevin Bryant, dans lequel ils font part de leur chagrin et de leur admiration pour l'acteur parti trop tôt. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous nous sentons chanceux de l'avoir eu dans notre vie. C'était un talent brillant. C'est un cliché de dire qu'un acteur s'approprie un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n'y a pas de mot plus vrai. Depuis le jour où nous l'avons entendu pour la première fois incarner le rôle de Chandler Bing, il n'y avait personne d'autre pour nous, expliquent ces derniers. Dans le cœur des fans non plus, il n'y avait personne d'autre.